Je souhaite la bonne année. Eh bien, à ma famille, ma femme, Elisabeth, mais aussi à mes deux garçons, Adrien, 5 ans, et Raphaël, 9 ans. Et je souhaite aussi une bonne année à ma mère. Voilà, ce sont les quatre personnes de ma famille que j'apprécie le plus. Je souhaite aussi une bonne année à mes beaux-parents, Cécile et Daniel. Ça, c'est ma famille proche, tout cela. Et je souhaite aussi une bonne année à ma famille un peu plus loin. Je parle de mes cousines. Je vais essayer de ne pas en oublier. Sandrine, Magali et Coralie. À Denise aussi. Je souhaite une bonne année 2019 à toutes ces demoiselles, à toutes ces dames. Et aussi aux autres membres de ma famille que je n'ai pas cités. Eh bien, je souhaite la bonne année à tous mes amis, notamment à mes amis de l'association Un rêve de Farfadet. Je parle notamment de Florian, Dario, Chloé, sans oublier André, Elena, Perle, Michael, Cyril. Eh bien, je souhaite à toutes et à tous une bonne année 2019. Bien, je souhaiterais aussi la bonne année à tous mes amis Facebook, notamment à Mathilde. Avec eux, j'avais deux cours de théâtre. Et j'avais le projet d'en avoir un troisième. Et dans cet atelier, on aurait invité des gens du spectacle pour montrer un petit peu, pour parler du métier, pour faire un atelier autour d'eux. Sauf que cette association, la compagnie Artefact, a tenté de m'arnaquer. Je n'ai pas voulu. Je suis parti. Et j'ai créé mon association. Et ces deux personnes m'avaient dit qu'ils étaient d'accord pour passer dans l'atelier, pour expliquer leur métier comme j'avais prévu. Et là, ça ne s'est pas fait. Puis je les ai un petit peu... Je ne les ai pas remerciés. C'est l'occasion jamais. Merci à eux. Et bonne année à vous deux. Et à vos familles. Et à vos proches. Merci aussi à tous les autres amis Facebook. Eh bien, bonne année à tous mes amis. Oui. Et j'en ai énormément. Énormément. Alors... Amis ou amis, c'est pas pareil. Ah bah non, j'ai de vrais amis qui sont là quoi qu'il arrive. Florian, j'en ai déjà parlé. Eh bien, bonne année à mes collègues. Ah, oh, j'en ai quelques-uns, oui. Alors, je vais commencer par Sabrina. Bonne année à toi, Sabrina. Voilà. Hein? Bonne année à toi, Maryse. On a souvent les mêmes idées. Elle va passer le BFD comme moi. Alors, bonne année à toi, Maryse. Je n'oublie pas Catherine, qui a la chance de partir. Et bonne année à toi, Catherine. Bonne année aussi à Dario. Mais ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ou je vais le redire. Je n'oublie pas Greg. Grégory, bonne année à toi. Romain, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble et quel duo. Facoli, il y a des hauts, il y a des bas. On n'est pas non plus les meilleurs amis du monde, mais on commence à s'apprécier. Au bout de quelques années, il faut, hein, non? Alors, bonne année à toi, Facoli. Bonne année aussi, eh bien, à des anciens collègues comme Justine. C'est tout. Non, il y en a eu d'autres collègues, hein, bien sûr. Fred, Frédéric, Maillet. Et d'autres collègues. Alors, j'en oublie, sans doute. Enfin oui, j'en oublie. Il y en a certains à qui j'ai pas envie de souhaiter la meilleure année. Non. Et je souhaite aussi une bonne année à certaines ZSM. Comme Jeanne, comme Gigi, comme Catherine, comme... J'en oublie une.
Je vous laisse deviner laquelle. Vous allez vous entretuer. Bon, voilà. Voilà, bonne année. Bonne année aussi à Christine Pavlovic, ma responsable, qui est une personne vraiment très bien. Je n'en dirai pas plus, c'est ma responsable. Et bonne année. Voilà, bonne année, meilleurs vœux, et puis voilà. À très bientôt.